When people share more, the world becomes more open and connected. And in a more open world, many of the biggest problems we face together will become easier to solve. Depuis sa création, Facebook a toujours expliqué que sa mission était de connecter le monde. Et avec des milliards d'utilisateurs actifs par mois, c'est certain que Facebook a réussi à connecter une grande partie de la population mondiale. Mais est-ce que Facebook a réellement réussi à connecter ses utilisateurs de la bonne manière? Ou alors, est-ce que Facebook n'aurait pas joué un rôle dans la polarisation croissante de notre société? Les Facebook Files, une vaste enquête journalistique qui montre comment Facebook privilégie depuis des années ses profits au détriment de la sécurité de ses utilisateurs, nous apporte quelques éléments de réponse. Bienvenue dans l'épisode 2 de La Fabrique Sociale, c'est parti! L'algorithme de Facebook est une sorte de boîte noire. Personne ne sait exactement comment il fonctionne, et pourtant, c'est cet algorithme qui organise l'information que vous voyez à travers votre fil d'actualité. Ce dont on est sûr, c'est que cet algorithme y change très régulièrement. Mais en janvier 2018, un changement fondamental lui a été apporté. Ce changement, il est tellement important que Mark Zuckerberg a posté un long message sur Facebook pour expliquer en quoi il consistait. Facebook présente alors les MSI, pour Meaningful Social Interaction. Dans son message, Zuckerberg explique qu'il veut en fait donner plus de visibilité aux postes de nos amis par rapport à des postes d'entreprise ou de partis politiques par exemple. Autrement dit, Facebook souhaite rendre sa plateforme plus saine, en la rendant plus sociale et plus interactive. Avec les MSI, Facebook va donner plus de visibilité à des posts qui génèrent de l'engagement, comme avec des likes, avec des commentaires ou avec des partages. Facebook a donc créé un nouveau système de points. À chaque fois que votre post gagne un point, il gagne de la visibilité sur le fil d'actualité. Par exemple, imaginons que vous postiez la photo de votre chat obèse. Avec les MSI, si votre chat reçoit un like, sa photo gagne un point. S'il reçoit une réaction, par exemple un emoji sourire, sa photo gagne 5 points. Et si la photo de votre chat obèse reçoit un message significatif, c'est-à-dire un message suffisamment long, son post gagne 30 points. Point. Ah, c'est bon, le compte il est bon. Jusqu'ici, tout va bien. Si on a plus de photos de chats sur notre fil d'actualité, tout le monde est gagnant. Mais c'est là où les Facebook Files interviennent. L'enquête montre que Facebook avait un autre objectif derrière la tête via ce changement d'algorithme. En fait, ça faisait des années que Facebook voyait l'engagement de ses utilisateurs décliner. Et cette tendance a rendu Facebook très inquiet. L'entreprise a fait le pari que si l'engagement continuait à baisser, les gens n'iraient plus du tout sur la plateforme à un moment donné. Et moins d'engagement et moins de temps passé sur Facebook, c'est moins d'argent pour l'entreprise. Du coup, avec ce changement de fil d'actualité, Facebook allait faire d'une pierre deux coups. La plateforme deviendrait plus saine et plus sociale parce qu'elle deviendrait plus interactive. Et en plus de ça, le changement permettrait d'augmenter l'engagement sur la plateforme et donc les revenus de Facebook. Après ce changement, l'engagement a effectivement remonté en flèche. Par contre, est-ce que Facebook a réellement rendu sa plateforme plus saine? Pas vraiment. À l'automne 2018, Jonah Peretti, le directeur de BuzzFeed, un média en ligne, envoie un mail très inquiet à Facebook. D'après Peretti, les contenus à caractère polarisant, ceux qui ont tendance à diviser et à susciter de la haine en ligne, ont de plus en plus de visibilité sur Facebook. Selon lui, c'est le nouvel algorithme et les MSI qui sont à la source de ce problème. Et comme ces contenus polarisants et haineux ont la faveur de l'algorithme, eh bien les créateurs de contenus vont avoir tendance à s'adapter à ce même algorithme et à leur tour à créer du contenu de plus en plus polarisant et haineux. Peretti explique donc que l'objectif initial des MSI, qui était de créer des meilleures relations sociales entre les utilisateurs, n'est pas du tout rempli, mais a plutôt l'effet inverse de l'effet recherché. Des recherches internes de Facebook confirment les dires de Peretti, expliquant que le nouvel algorithme donne beaucoup plus de visibilité au contenu violent et à la désinformation. En somme, Facebook, c'est un petit peu devenu World War Z. Mais alors pourquoi ces posts violents et polarisants ont plus de visibilité qu'avant? Le problème, c'est que les contenus les plus viraux, que ça soit à travers les réseaux sociaux ou d'autres médias, c'est généralement des contenus qui sont violents ou alors des fake news, tout simplement parce que c'est des contenus plus sensationnels et donc qu'ils génèrent plus d'engagement. Par exemple, une étude montre que les fake news se propagent 6 fois plus rapidement sur les réseaux sociaux que les vraies news. Et les conséquences très inquiétantes de ce changement d'algorithme, elles ne concernent pas uniquement les médias comme BuzzFeed, mais aussi les partis politiques. S'il vous plaît, Monsieur Collard, Monsieur Collard, Monsieur Collard. Est-ce que vous aussi, vous avez l'impression que le débat public est un petit peu plus tendu qu'à l'accoutumée? Eh bien, Facebook a sûrement une part de responsabilité là-dedans. Comme pour BuzzFeed, beaucoup de partis politiques ont contacté Facebook pour leur faire part de leur inquiétude face au nouvel algorithme. Un parti polonais a expliqué à Facebook que face au changement d'algorithme, ils avaient modifié la nature de leurs posts. Le parti polonais avait l'habitude de faire des posts à caractère positif. Mais avec le changement d'algorithme, ce même parti a compris qu'en faisant des posts positifs,
positif, on avait moins de visibilité. Et donc le parti polonais a changé complètement la nature de ses posts, passant d'un ratio de 50-50, donc 50% de contenu positif, 50% de contenu négatif, à un ratio de 20-80, 20% de contenu positif et 80% de contenu négatif. Et ça peut avoir des conséquences très graves sur l'état démocratique de nos sociétés. Et on comprend bien pourquoi. Imaginez un réseau social sur lequel toutes les informations que vous voyez sont polarisantes et haineuses. Bien, c'est un petit peu cette situation dans laquelle nous a mise ce changement d'algorithme. Mais maintenant que Facebook est au courant du problème, on peut se demander comment le réseau social a réagi. Face à ce problème, plusieurs solutions ont été imaginées en interne. Plusieurs employés ont proposé de faire machine arrière, c'est-à-dire diminuer la viralité de certains posts avec beaucoup d'engagement. L'un d'entre eux est carrément arrivé dans une réunion en expliquant qu'il avait une idée brillante pour régler le problème de polarisation, supprimer le bouton de partage. Cette idée, elle se base sur une étude interne qui montre que les posts qui sont partagés plus de 20 fois ont 10 fois plus de chances d'avoir un contenu violent que les posts qui ne sont jamais partagés. Cette solution, elle a été écartée immédiatement par Facebook parce que moins de partage, c'est moins d'engagement et c'est moins de revenus pour Facebook. Et globalement, la réponse de Facebook n'a pas été à la hauteur des enjeux puisque Zuckerberg a résisté à la plupart des propositions de ses employés, de peur que ses propositions fassent baisser l'engagement et donc les revenus de Facebook. Quand cette affaire est sortie dans la presse, Zuckerberg s'est défendu dans un long communiqué avec un argument d'autorité en expliquant tout simplement que Facebook ne privilégiait pas du tout ses profits à la sécurité de ses utilisateurs. Cette déclaration de Zuckerberg, elle rentre encore une fois en confrontation directe avec les dires de Frances Haugen, la lanceuse d'alerte qui a révélé ses documents à la presse. Pour Haugen, il y aurait deux solutions principales à appliquer pour éviter ce genre de problème. Premièrement, demander des comptes aux réseaux sociaux pour les préjudices sociaux qu'ils causent. Ce qui est actuellement loin d'être le cas, même si ça commence un petit peu à bouger aux États-Unis, on voit plus en plus de cadres de Facebook qui interviennent dans des sessions au Sénat. Facebook CEO Mark Zuckerberg. Explosive whistleblower testimony. Testified before the Senate Commerce Committee. Et deuxièmement, agir directement sur le modèle économique des réseaux sociaux. Inciter Facebook à ne plus se concentrer seulement sur l'engagement des utilisateurs, mais plutôt à améliorer le bien-être de ses utilisateurs. J'aurai l'occasion de revenir plus en détail sur ces solutions dans de futures vidéos. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !